Ce résumé vous est proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Par Zuma, Rodrigo, le centre, ça va être le but. Oh non, qu'est-ce qu'il rate ! Mais qu'est-ce qu'il rate là, Maxi Gomez ? Quelle occasion ! Il a shooté à côté du ballon, je crois, tout simplement. À gauche, on va chercher Spiliqueta, qui préfère repasser Kovacic, qui lui va chercher Willian de l'autre côté. William, James, c'était en train instantané, prolongé. Oh, la parade de Cillessen, prolongé par Kanté, la reprise d'Abraham qui l'a voyé au fond. Mais c'était sans compter sur ce gardien Jasper Cillessen, le gardien néerlandais. Bon, chez Rodrigo maintenant. Rodrigo, le centre, il est bon aussi. Et l'arrêt, oui, le but, non. Le but signé, Soler. Qui est là et qui met ce but, l'ouverture du score pour Valence, c'est mérité au vu des occasions et au nombre d'occasions. Mais juste après cet arrêt de Cillessen, eh bien c'est Valence qui est là et qui marque. Willian, ça va peut-être réveiller cette équipe de Chelsea. Avec Pulisic pour Azpilicueta, le centre du droit. Là, en défense solidement et en groupe du côté de Valence. La frappe de Kovacic, c'est but. L'égalisation dans la minute qui suit, signé Kovacic. Qui frappe ce ballon et qui le place dans le coin du but. Cillessen s'est détendu mais n'a pas pu toucher ce ballon comme tout à l'heure. Attention parce que Pulisic est parti, Pulisic, pas de solution, il va frapper alors, non, il isole Kovacic et l'arrêt de Cillessen, ah, il a frappé milieu du but Kovacic et Jasper Cillessen qui est là. Les joueurs de Chelsea sont déjà sur la pelouse et il y a un homme en plus, Michy Batshuayi est là. Donné premier poteau, dégagé. Willian avec Kanté, le ballon de Kanté, il est bon, la tête de Zuma et le but d'Azpilicueta. Et Zuma qui a gagné le duel avec Paulista qui reste au sol. Monsieur, ouais, il y a une position de hors-jeu. Position de hors-jeu, on n'avait pas regardé le juge de touche là. Et la ligne dit quoi? C'est. Il n'y a pas de hors-jeu, visiblement. L'épaule est à hauteur du pied de l'adversaire. Et donc, monsieur Zouayer, voilà, va accorder le but. Voilà qui est fait. C'est donc 1-2 pour Chelsea. Et là, il donne pénalty. Il donne pénalty, oui. Sur ce tacle, il n'y a pas de discussion, dit-il. Le tacle de Jorginho. Et il donne le pénalty. C'est parti par Hero et Kepa qui sort ce ballon. Kepa qui se détend et qui sort cette balle. Allez.
vu. Le ballon laissé à Vaz. Le centre tendu. Oh, c'est un but! Oh, quel but de Vaz! Mais ça, c'est un coup de chance parce qu'il veut centrer. Et ce ballon va se loger dans la lucarne du but de Kepa. L'égalisation, ouais, elle tombe du ciel pour Valence. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.